C'est quoi ça dehors? Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu de Sirenhead. Alors je sais pas si ça vous avait manqué, mais moi un tout petit peu quand même. Comme d'habitude, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, la famille, ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir vos retours, même en commentaire. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications. On est proche des 900 000, faut qu'on y aille. Faut dire que c'est la dernière ligne droite, hein. Allez, c'est parti. Nous sommes sur Sirenhead Rétribution. Le jeu a l'air très complet. Déjà, démarrer le jeu, quitter le jeu. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Ça fait un petit peu peur. Rien que la musique et tout, ça me rappelle un petit peu les jeux à la Slenderman. Je sais pas si vous voyez. Ah, ok. Bah écoutez, on arrive comme ça dans le jeu. Bah ça fait plaisir. Franchement, le jeu, pour l'instant, il est bien fait. Bon, sauf le véhicule, regardez. La roue, elle est un peu en l'air, là. Bon, ok, c'est un véhicule anti-gravité. Ah ouais, ça me fait vraiment penser à Slenderman. Quelle horreur. Mon projet de voiture est dans le garage. Il lui faut quelques parties pour bah en fait que voilà la voiture fonctionne. Ah ouais, là on est parti là sur une vraie mission là. Oh là, mais qu'il n'y ait pas de lumière et tout, ça fait vraiment flipper hein. Ah c'est ça sa voiture, son projet de voiture. Ah ok. Qu'il reste à faire, attacher les roues, une nouvelle batterie et mettre de l'essence. Ok. C'est ça le générateur. Ah bah il faut un fusible aussi. Oh là là. Bon, la map a pas l'air si grande que ça, mais ok. Bon, va falloir qu'on retourne à notre camion et qu'on aille voir un petit peu tous les points, là. Pas de Sirenhead à l'horizon, hein, messieurs, dames. Ah, fusible. Ok. Aha. On va pouvoir allumer l'électricité. Bon, pour l'instant, on avance, on avance. Dans le RP, ça serait vraiment flippant. Ah. Oh putain, j'ai eu des frissons. J'ai cru que le lampadaire là c'était un. Ben, Sirenhead qui me regardait au loin ou quoi. Non mais j'ai eu des frissons. Non mais. Oh, il est flippant. Eh, l'ambiance du jeu est flippante, on dirait pas, mais. Et je suis pas yam. What? Bonjour. Y'a quelqu'un? Dan? Danny, c'est toi? T'es où? C'est quoi ça? Pour l'instant, y'a rien, mais je suis en train de flipper. Eh, le jeu de Sirenhead fait quand même bien flipper. Je vous invite à y jouer, franchement. Ah, y'a de l'essence. Écoute les sirènes. Reste loin. Oui, je vais rester loin. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu, Sirenhead, il est là-bas. Je reste pas là, moi, je reste pas là. Ouais, en RP, en fait, on l'avait pas fait trop faible. Hein. On l'avait fait bien fort, parce que... Voilà, ce qu'il arrive à faire à un van, quoi. Il l'a coincé entre les deux arbres. Oh. Putain, mais c'est une soucoupe volante, ça, qui vient de passer, là. Ah ouais, en fait, cette voiture, ça va être notre seul moyen de partir, quoi. Ah, si j'ai bien compris, c'est ça. Ok, petite animation et tout, on met l'essence, elle se met toute seule, ouais. Maintenant, faut trouver une batterie et une roue. Faut qu'on trouve les trucs avant que ça dégénère. Ça me rappelle trop Slenderman, ça va faire des screamers quand il va apparaître et tout, ça va être horrible. Franchement, j'ai pas envie de le voir. Je vous jure, j'ai plus envie. Ok, il y a la petite cabane, là, parfait, parfait. What? Ok, il y a la roue, parfait, parfait. Ne vous arrêtez pas, ne faites pas de bruit et ne le laissez pas vous prendre. Il est juste là. Il est juste là, ça veut dire qu'il va me poursuivre. Je l'ai senti, il va me poursuivre. Ah, ah, ah. Wow, flippant. Ok, vas-y. Sirenhead, j'ai fait des vidéos sur vous. Allez, allez. Allez, on avance, on a notre lampe. Ferme-la ! Il est là ! Il est derrière moi ! Il est derrière moi, il est derrière moi ! Allez, bouge, bouge, bouge ! Non, 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 non ! Non ! Non, 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 non ! Ok, faut jamais s'arrêter en fait, faut jamais s'arrêter, faut toujours marcher. Ok, je suis à l'abri, je suis à l'abri. Oh putain. Ah là là, faut que je trouve une batterie. Non, vous foutez de moi, faut que je trouve une batterie là. Là, faut que je trouve une batterie là. Bon les gars, va falloir prendre notre courage de demain, je suis désolé mais... Ok, je sais pas où il est mais j'avance. Je sais pas où il est mais j'avance. Il me faut une batterie. Oh ferme-la, ferme-la, il est derrière moi. Il est là, il est là. Il est là. Ok, ok, ok. Ah, 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 ah.
Ok, je l'entends là-bas. Comment c'est possible? Je l'entendais derrière moi. Mais c'est quoi ce jeu? Ok, la batterie, s'il vous plaît, qu'elle soit dans ce petit abri-là. Oui, je suis dans la cabane. Oh non, me dites pas qu'il n'y a pas la batterie. Oh, ils avaient les photos de Sirenhead. Eh, vous voyez, des fois, il est grand, des fois, il est petit. Intelligent? Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis intelligent. Merci. Il savait que j'arrivais. Ah oh, ouais, là, il est grand, vous voyez. Ah, j'ai l'échelle. Waouh, une expérience russe. Un démon, un alien. Ah, ils savent pas ce que c'est. Ah ouais, flippant. Sirenhead? Oh putain, il est là-bas. Oh putain. Ah, il est là. Ok, faut se casser. Faut se casser. Maman, protège-moi. Mamma mia. Mamma mia. Il est là, il est là. Pas que je me laisse avoir. Ah. Oh mais c'est tellement chaud ce jeu. Je suis là, je suis pas yembe. Oh putain, il est là. Regardez, regardez-le. Ah, oh, il est horrible. Oh, il fait flipper. On peut pas prendre la batterie là, de notre camion, là. Putain, il est là, il est là, il est là. Ok, ok, ok. Ah, mais il se téléporte. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il se téléporte. Ah ouais, on a tellement pas de temps, là, pour aller choper la batterie, là. Allez, allez, prends. Voilà. J'ai la batterie. J'en ai marre de faire ces cris là. Attends, dis-moi que j'ai la batterie, elle est où la batterie? Attends, je l'ai laissé tomber là, la batterie là. Me dites pas que je l'ai laissé tomber. Pas ça. Mais je vais crever. Je vais crever. Je vais crever. Ah ah ah. Je vais crever. J'étais à deux doigts. J'étais à deux doigts. J'étais à deux doigts. Ok mon gars, allez. Oh putain mais il se téléporte, je l'ai vu se téléporter. Quelle horreur, je l'ai vu se téléporter. Eh mais c'est un truc de ouf. Je mets la batterie et je me taille de là. Ça reste pas une seconde de plus. Oh, me dites pas que j'ai terminé le jeu, me dites pas que j'ai gagné. Je ne sais pas combien de temps j'ai conduit. Chaque virage était comme la mort. Chaque arbre ressemblait à cette chose. Oh là. C'est quoi ces routes de terre là déjà? Tu peux pas conduire sur une route normale? 100% on meurt. 100% on meurt. Pour une fois que j'avais vaincu Sirenhead. Game over? Ah, j'ai eu la mauvaise fin? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour? Ce n'est pas normal. Les amis, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo sur Sirenhead. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à bombarder les likes. Et moi, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Salut.